Ne vous agenouillez pas, cela ne me procure aucune satisfaction. Vous avez fini par dénicher notre temple secret. Ça fait longtemps que je vous attends. Les fidèles de la Voix des Ténèbres s'opposent à moi et votre cruauté me sera fort appréciée. Ce temple n'est pas vraiment secret. Il y a un chemin qui y mène directement depuis Cass City. Vous vous moquez de moi? Personne ne tombe sur ce temple ou cette planète par accident ou sans mon consentement, car je suis le Seigneur Farchomme. C'est moi qui ai supervisé la construction de ce temple et qui ai pris le contrôle de cette jungle. Vous allez maintenant vous mettre à mon service. Vous avez plus l'air d'un ouvrier que d'un Sith. Ma robe et mon casque ont été remportés au combat contre le Seigneur Vacuus. Mon sabre laser brûle de la lumière des étoiles. Et vous osez douter de moi? Les enseignements de la Voix des Ténèbres ont égaré mon apprenti Amira. Mais j'aimerais la récupérer. Ramenez-la des profondeurs de ce temple. Je n'ai pas bien saisi. Qu'est-ce que la Voix des Ténèbres? Vous ne savez donc rien? Les seigneurs noirs rivaux ont fondé cette voie pour égarer mes apprentis. J'ignore de quelle façon mes rivaux sont parvenus à atteindre mon apprenti, mais je sais où elle est. La Voix des Ténèbres se cache non loin d'ici. Exterminez les fidèles de la Voix des Ténèbres. Frayez-vous un chemin jusqu'à leur hôtel et persuadez Amira de revenir. En cas d'échec, vous subirez ma colère. Je ne crois pas en vos soi-disant pouvoirs. Je vais écarter vos doutes. Soyez le témoin de cette démonstration de puissance. Maintenant que vous avez été le témoin des pouvoirs d'un seigneur noir des Sith, passons aux choses sérieuses. Il semble que je m'étais trompé sur votre compte. J'y vais de ce pas. Les fidèles de la Voix des Ténèbres sont tout près d'ici. Partez, je vous attends. N'approchez pas! Je ne sais pas qui vous êtes. Vous n'appartenez pas à la Voix des Ténèbres. Il me chuchote de retourner auprès du seigneur Farchol, que j'appartiens à Farchol, mais c'est faux! Il y a quelque chose qui cloche! Je veux savoir ce qui s'est passé. J'étais une personne différente avant de m'aventurer dans ce temple. J'étais emplie d'énergie. J'étais un Sith. Mais elle ne cesse de me répéter que je suis une apprentie. Rien qu'une apprentie. Et j'éprouve de la haine pour elle, même si cette haine ne me rend pas plus forte. Souvenez-vous du code Sith. Concentrez-vous sur ces paroles. Oui. La passion me rend plus forte. La victoire me libère de mes chaînes. La force viendra me transcender. Elle dit s'appeler Aniara. Elle dit que nous sommes au service de Farchol. Elle prétend qu'il n'y a pas de ville à l'extérieur, rien qu'une jungle. Dites-moi la vérité! Suis-je Aniara, une apprentie au temple, ou bien est-ce un mensonge? Y a-t-il réellement une ville là-dehors? Cass City existe bel et bien. C'est de là que vous venez. Ce temple n'est que mensonge. Je m'en doutais! Maudite soit-elle! Elle est toujours dans ma tête, mais elle... C'est mon ennemi. Je suis un Sith. Je suis capable de la vaincre, et je le ferai. Vous pouvez me dire ce qui se passe ici? Je viens de Cass City, comme vous. Mais ce temple glisse d'étranges pensées dans la tête des gens, jusqu'à leur donner une autre identité. Je ne suis pas une apprentie. Cet ouvrier n'est pas le seigneur Farchol. Nous avons joué un rôle. Nous possédions un étrange pouvoir. Personne ne m'a mis des pensées bizarres dans la tête. Non. Ce qui me hante semble relâcher son étreinte. C'est pour cette raison que j'ai réussi à m'enfuir et que vous êtes immunisé. J'ignore combien de temps je vais pouvoir rester moi-même. Je dois en profiter pour partir d'ici. Je ne vais pas vous retenir. Laissez-moi m'occuper du temple. Comme vous voulez, Excellence. Mais je vous conseille d'en finir rapidement. Mes espions me rapportent que vous avez retrouvé cette Voix des Ténèbres. Il semble que vous ayez survécu à la fois. J'ai retrouvé sa trace, mais elle ne s'en est pas sortie. La Voix des Ténèbres a eu raison d'elle. Quelle déception. J'espérais mieux de votre part. Mais il était peut-être trop tard pour Anira. Je vous laisse la vie sauve. Prenez cette récompense en reconnaissance de vos efforts. Et ne revenez plus. Je suis navré que ça se soit terminé comme ça. Ne mettez pas ma patience à l'épreuve. Allez-vous-en.